Je m'appelle Lonkana Agno Simon. Et toi? Agno Longuet Diamant, le fils de Longuet Longuet. Voilà. Moi, c'est Bakanda. Je porte le prénom de ma sous-grand-mère. Voilà. Et toi aussi? Celle-là, c'est l'avant-dernière. Voilà. Maman. Nous sommes en famille. Il n'est jamais trop tard. Voilà, on ne s'amuse pas avec Dieu. God is God. Amen. On salue toute la famille Bolam. Salut. Voilà, salut Tata Chantal. Tata Chantal. Tonton Tomana, Tonton Etienne. Bisous Tata, bisous Tonton. Bisous Tonton. Tata Sandy Solange. Tonton Guida, voilà. Assou. Massa. Ça c'est Longuet Longuet avec ses enfants. Longuet Longuet avec ses Mouna. On nous a dit sur Facebook que Longuet Longuet n'a pas les Mouna. Longuet Longuet a vendu son âme pour le succès. Il n'a pas d'enfant. On nous avait même dit un temps que il nourrit les enfants des gens. Il dit que ce sont ses enfants. Il ne peut pas procréer. Voilà Longuet Longuet. Voilà Longuet Longuet avec ses Mouna. Il me rappelle, qui se rappelle de cette période-là où ça fait chauffer ici sous la toile? Que Longuet Longuet va faire le test là, ce ne sont pas tes Mouna. La femme que tu vis avec elle là, en Bengla, ce ne sont pas tes Mouna, ce sont les enfants que tu nourris, machin. Vous vous rappelez, non? Voilà Longuet Longuet qui vous présente. C'est-à-dire que quand tu vois l'enfant de quelqu'un, ça ne se dit pas. Ça ne s'explique, ce sont les choses qui ne s'expliquent pas. Quand toi, tu vois les enfants autour de Longuet Longuet, vous voyez comment le gars est heureux. Et quand tu vois un père avec ses enfants, quand un père doute seulement d'un enfant, on ne te dit pas. Voilà Longuet Longuet qui nous présente ses Mouna. Vous savez pourquoi je vous présente même cette vidéo, les amis? C'est pour vous dire que faisons très attention des réseaux sociaux. Faisons très attention des réseaux sociaux. Trop de fake news sur les réseaux sociaux. J'étais chez un influenceur. Les gens ont saboté cet influenceur sur Internet. Le traité de Nepso, même Longuet Longuet, on était de Nepso, non? C'est bon, d'autres vont venir dire que est-ce que les Nepso ne font pas les enfants? Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, on nous a dit qu'avec tout l'argent que ce monsieur a, il ne peut pas se marier, il est l'anga de ceci, il est l'anga de celui-là, il est l'anga de tel ministre, il est l'anga de... Papa, à ma grande surprise, à peine j'en ping, c'est sa première fille qui vient d'abord m'accueillir. Elle dit, vous cherchez papa. Comme j'étais avec certains gars, on se regardait d'abord comme ça là. On dit que, hey, papa, quel papa? C'est comme ça que le monsieur nous accueille. On monte, on arrive donc chez le monsieur, on s'assoit. Il a d'abord l'autre enfant en main. Les autres sont au sol. Je parle des enfants. Il ne parle pas d'un enfant. Sa femme, la mère de ses enfants, est là. What? Moi, je suis resté avec les réseaux sociaux. Quelqu'un m'avait confirmé qu'il est le frère, le cousin de ce monsieur-là. Ce monsieur dont je parle là. Qui n'a pas d'enfant. Que oui, même si tu veux faire une vidéo pour le saboter, tu veux parler, gars, je te donne. Un peu comme l'intox qu'on a filé à Rachel Yen. Les gars, quand vous passez ces informations ici, faites très attention. Les réseaux sociaux sont toxiques. C'est-à-dire que pour rien comme ça, quelqu'un se lève un matin et te dit, je suis le cousin de tel. Ils ne sont même pas peut-être familiers. Ils ne sont peut-être pas familiers. Il te donne l'information que je suis. Il t'envoie même une photo, ils sont ensemble. Il allait faire la photo avec lui. Où c'était au village, c'était où. Il t'envoie ça, que je t'ai dit que je suis son cousin. Le gars n'a pas de mon âge. J'arrive comme ça, il voit les enfants sur soi. Il voit les enfants. Il dit, mec, les réseaux sociaux. Voilà Longuet Longuet. Voilà Longuet Longuet. Hey. Regardez comment Longuet Longuet est heureux. Oh, les enfants. Quand vous dites qu'il n'y a rien de plus beau que les Mouna. Mais c'est. Quand je vois une soeur qui a traversé 30 ans sans Mouna, mais que non, ce n'est que dans le mariage que bon, vous avez vos raisons, mais
Je vous assure que si ma soeur, j'ai une soeur qui traverse 30 ans là, je vais monter un boy qui attrape, tu mets le mona là. Mon frère, il n'y a rien de plus beau. Tout ce que nous cherchons là, le bien, les biens, les immeubles, tout ça là, tout ce qu'on laisse après, juste à quand on dit que qui était-elle, son représentant, c'est qui? Ce sont pas les immeubles là. Non, ce sont pas les immeubles là qui vont nous représenter demain. Et n'attends pas toujours que je vais avoir l'argent avant de faire mon mouna. Et en temps, souvent les gars de 30 ans, 40 ans, gars, je ne suis pas encore stable, je ne suis pas encore prêt pour faire le mouna. Tu seras stable quand? Allez à la mort! Voilà les jeunes qu'on fait le lever tous les jours, ils n'ont même pas un mouna. 30 ans, 40 ans, 45 ans, le gars n'a pas un mouna, il dit qu'il n'est pas encore prêt. Tu seras prêt à quel âge? 90 ans, mon frère. Quand il y a possibilité, non? Bombard. Gars, quand tu travailles, il y a 25 ans. 27 ans là, bombard. Gars, parce que ta plus grande richesse, c'est le mouna là. Il faut voir comment le pauvre est heureux avec ses mouna. Quand le riche même qui n'a pas de mouna voit le pauvre avec ses mouna, il les envie. Donc c'est vrai que c'est vice versa, le pauvre envie sur le riche. Donc voilà donc, les amis, je peux vous dire qu'il n'y a pas plus beau sur la terre que l'amour fraternel. Non, pas l'amour fraternel, on appelle ça quoi? L'amour. Et le français, en tout cas, l'amour des enfants. Donnez-moi le nom en commentaire, s'il vous plaît. Je ne suis pas prof de français, le français est dur. Donc, les amis, sentez-vous heureux et je profite pour saluer tous les parents parce que je sais ce que c'est l'investissement sur un enfant. C'est vraiment un fardeau. Beaucoup de courage à tous les parents, à nous les parents. Ciao. Contactez directement Yoko Service. Voilà, chers parents, en fait, comme Franco, je suis bel et bien à Yoko Service. Ces parents qui n'ont pas assez de temps, commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile. Surtout mes frères de la diaspora, là, finis avec les anas, les oncles et les tantes. Il suffit juste de contacter Yoko Service et on vous livre à domicile. Vous êtes parent et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année? Yoko Service est là pour vous. Imaginez, vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires. Pas de panique! Avec Yoko Service, vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simples. Filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez-la à Yoko Service via WhatsApp. Notre équipe se charge de tout. Constituez votre commande avec précision et soin. Et voilà, votre commande est livrée directement chez vous. Avec Yoko Service, facilitez-vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence. Yoko Service, imprimerie et papeterie. Contactez-nous dès aujourd'hui via WhatsApp pour des achats simplifiés et une livraison rapide.